Voilà. Voilà ce qui se passe au Mans. Voilà les débordements de monsieur Stéphane Le Foll. On est encore plein là. Voilà, les forains sont là. La zone commerciale est bloquée. Plus rien rentre, plus rien sort. À la sortie, zone commerciale Auchan, Le Mans, monsieur Stéphane Le Foll. Voyez, messieurs les élus de la République, vous voulez plus de forains, plus de cirque dans vos villes. Et bien voilà ce qui va se passer. Là-bas, il y en a encore un autre. L'autre rond-point de l'autre côté est bloqué, ça brûle aussi. Prenez ma veste. Ah, il est content, monsieur le maire du Mans. Il est... Les riverains sont paralysés. Voilà. Tous les restaurants, centre commercial Auchan, tout est bloqué. L'entrée de l'autoroute, bloquée également. Voilà, l'autoroute Paris-Le Mans, immobilisée. Voilà, il y a un feu sur l'autoroute. L'autoroute est en feu. La sortie d'autoroute bloquée également. Voilà, monsieur Stéphane Le Foll. Vous avez voulu la guerre, mais vous avez la guerre. Pourtant, les forains ne vous demandent pas grand-chose. Simplement l'autorisation d'occuper le domaine public. Donc voilà. Tout ça pour un élu dictateur. L'économie locale est bloquée. Voilà. Il est presque midi. Les restaurants sont tous fermés. Jardiland, Buffalo Grill, tous les commerces de la zone commerciale sont au point mort. Et on n'est pas là pour ça, car c'est des gens qui sont comme nous en train de travailler. Mais monsieur le maire, vous ne voulez pas qu'on mange. Et les élus de certaines villes de France, voyez ce qui vous attend, réfléchissez bien avant de refuser une fête foraine ou un cirque. Maintenant l'alliance, elle est totale. Les cirques, les forains sont ensemble. Donc je vous dis, l'autoroute Paris-Le Mans bloquée. La zone commerciale du Mans bloquée. Et voilà. Bon après-midi à tous.